السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. Vous avez Ismaël aussi été le plus jeune joueur de la sélection algérienne appelé pour cette CAN au Gabon. Vous êtes né en France à Arles et pourtant vous avez choisi de porter en sélection les couleurs de l'Algérie, le pays d'origine de votre papa. Vous avez même été capitaine des U23 algériens. En fait, d'origine de ma mère. On fait souvent l'erreur et c'est mon père est d'origine marocaine. Papa marocain, maman ouais, algérienne. C'est ça. Donc t'avais la possibilité en fait de choisir trois. En fait, j'étais en équipe de France et du coup voilà après moi c'était plus par rapport à mes origines. J'étais plus porté sur mes origines. Et justement, comment t'as fait pour choisir entre le Maroc et l'Algérie et papa, maman? C'était très dur. Franchement, ça a été trop dur. Ton père, il t'a fait la gueule ou quoi? Ouais, mon père, vraiment. Ton père, il t'a fait la gueule? Mon père, tellement, il m'a dit, si tu choisis l'Algérie, je te parle plus. C'est vrai? Et le chantage. Bon, après, c'était sur le coup, voilà, il voulait que... Ouais, c'est pas déconner. C'est normal, bien sûr. Ouais. Mais après, non, je regrette pas d'avoir choisi l'Algérie. Et pourquoi, justement, t'as choisi l'Algérie plutôt que le Maroc? En fait, le Maroc, dès qu'ils sont venus me parler, en fait, ce qu'ils me proposaient au niveau sportif, ça... Ça collait pas avec ton plan de carrière. C'est pas du tout équivalent avec l'Algérie. Le Maroc, plus structuré, l'Algérie. Ouais, plus... voilà, c'est ça. Et le Maroc, ils me parlaient que des jeunes. Alors que l'Algérie, ils m'ont pas parlé une fois des jeunes, que de l'équipe A. Et voilà, si je devais rester un jeune, autant rester en équipe de France. C'était mieux, surtout que j'étais très bien en équipe de France. Et du coup, voilà, je regrette pas. Comme ça, tu peux jouer avec un autre gaucher qui est brillant également. Ouais. Un certain Riyad Mahrez. Ouais, très, très, très fort. Après, je sais pas ce que vous en pensez. Ah ouais, il est très bon, ouais. Ouais, c'est un très bon joueur, ça, c'est ça. D'après ce qu'on me dit, t'as fait arrêter le foot quand même. T'étais dégoûté à un moment donné. Ouais, c'est vrai. Pour quelle raison, faut savoir. Parce qu'en fait, j'ai signé avec des agents et les premiers agents venus et j'avais pas d'expérience, rien du tout. Et... En fait, ils ont voulu me la faire à l'envers, quoi. Moi, je suis allé à Manchester City et ils voulaient que je signe absolument là-bas, alors que moi, j'étais pas bien, quoi. Dès que je suis allé là-bas, je sais pas. Le feeling. Ouais, voilà, c'est au feeling. Et en fait, ils voulaient absolument que je signe là-bas et moi, je voulais pas parce qu'en fait, ils prenaient une commission sur. Et ça t'a dégoûté, ça? Et du coup, en fait, après, j'étais plus avec ces agents-là et il y a au moins une soixantaine d'agents qui m'ont appelé et. Quand même, moi, je suis timide, j'arrive pas à dire non. Oui, voilà, je vous vois et je les ai tous vus et tous, ils me vendaient du rêve. Ça fatigué, quoi. Ils t'ont fatigué, ouais. Du coup, ça m'a plus fatigué qu'autre chose et vraiment, je voulais peut-être pas arrêter le foot, mais voilà, j'étais vraiment fatigué. Tu commences à rentrer vraiment dans le foot business. Ouais, voilà.